C'est un plaisir pour nous d'accueillir une session Héliospire à Narbonne. Je pense que c'est la première. Donc, on se disait quand même que ce serait bien qu'on fasse un tour des choses qui se font à Narbonne, excepté la thèse d'Alex. Je vais essayer d'aller assez vite, comme on a pris quand même pas mal de retard. Donc, je resterai pas trop, en fait, hein, sur les. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, je les citerai au fur et à mesure. Donc, les domaines d'activité du laboratoire, c'est autour de la transformation de la matière organique dans le cadre du bouclage des cycles de carbone, d'azote, etc. Donc, en fait, on recycle, c'est ce qu'on appelle de l'économie, la bioéconomie circulaire. Donc, on a des matières premières qui sont des déchets, mais que pour nous, ce sont des matières premières, ce ne sont pas des déchets. Des procédés de transformation, principalement microbiologiques, c'est-à-dire qui vont impliquer des micro-organismes, et puis des produits qui vont être soit des gaz, de l'énergie, des substrats, enfin des digestats, c'est-à-dire des matières solides, ce que tu expliquais, Heinz, tout à l'heure avec les oranges, là, ça fait partie des transformations de ces produits-là avec différentes fonctionnalités. Et tout ça en utilisant la prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires, et puis l'utilisation de plus en plus croissante du numérique, développement de prototypes, etc., etc. Donc là, je vais m'appuyer sur trois exemples. Un exemple qui tourne autour de la thèse d'Alexandre, mais ce qu'il n'a pas montré dans sa thèse. Voilà. Un autre sur la sélection de variétés de sorgho. Donc ça, c'est avec des collaborations hors LBE, vous pouvez imaginer. Et puis un autre sur les sols, la caractérisation des sols. Et là aussi, c'est un réseau INRAE qui est impliqué, notamment. Et avec l'appui de Bernard Barthès, qui est par là. Donc, première partie, donc voilà, c'est ce qu'a montré Alexandre. On part de substrat organique, on fait une lyophilisation, on fait des spectros infrarouges, des spectros, et puis on va prédire des grandeurs caractéristiques, des teneurs en lipides, en glucides, en azote, le fameux BNP qui est le potentiel méthane, et puis l'ADCO. Et là, donc l'objectif, c'était de pouvoir comparer différentes méthodes d'approche, méthodes optiques, donc un spectrobuchi de laboratoire classique, celui qu'on a eu ce matin, un système un peu plus innovant qui a été mis au point à étapes avec l'équipe de Riyad, donc qui s'appuie sur, pour celle-ci, c'est uniquement une sonde immergée. Et puis ici, c'est un système utilisant la polarisation de la lumière. Je vais expliquer un peu plus. Et puis là, un petit néospectra pour comparer les différentes performances. Alors, les gammes sont différentes, les sensibilités sont différentes, les prix sont très différents. Hein, on va de 45 000 jusqu'à 3 000. Voilà. Donc, ça fait l'objet d'un stage l'année dernière. Juste 2 mots sur le procédé utilisé pour manipuler la lumière polarisée. Donc là, Riyad, je parle sous ton couvert. Si je dis des bêtises, tu me dis. Donc le principe, c'est d'envoyer une lumière non polarisée, de la polariser, et l'envoyer sur la matière de façon à ce qu'elle interagisse avec la matière. Et il va y avoir 2 cas de figure. Soit elle est réémise en gardant sa polarisation, ou soit elle est diffusée dans la matière et elle va perdre sa polarisation. Et du coup, c'est ça qu'on va analyser, le signal émis qui est polarisé, celui qui est non polarisé. Et en se disant, ici, on va voir si c'est non polarisé en multiple scattering, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des effets physiques. Alors qu'ici, on peut espérer avoir davantage des effets chimiques.
C'est ce qu'on espère. Mais après, la réalité, c'est bien plus compliqué que ça. C'est un mélange des deux. Pour toutes ces quatre méthodes-là, on applique les méthodes classiques de traitement de données, de pré-traitement, dérivée seconde, dérivée première, de la SNV, etc., etc. Voilà toutes les combinaisons qu'on peut faire. Donc, juste pour expliciter ici, ce qu'on va regarder, on va comparer donc, le spectro de labo, la sonde immergée, la diffusion simple en réflectance polarisée, la diffusion multiple, et puis la rétrodiffusion en réflectance. Non, la BAC, c'est la globale. Ah oui, non, c'est celle qui est globale. Et puis, l'absorbance directement par le microspectrum. Donc, si vous avez ces six méthodes-là, et on va comparer le RM-Seq et le RM-Sep, ça va être notre critère. On ne va pas regarder le RKB, on va regarder le RM-Sep, sachant que la référence, ça va être d'obtenir des résultats aussi bons que le spectro de labo. Donc, le spectro de labo, il est autour de 0,03. Ça, on en était content. C'est des teneurs, c'est des pourcentages en fait. Donc, c'est 3% d'erreur sur les pourcentages en lipides, en l'occurrence. Sur une sonde immergée, on a une erreur double. Par contre, la méthode de polarisation, suivant ce qu'on considère la simple réflexion ou la réflexion multiple, dans ce cas-là, la diffusion multiple, on va se retrouver avec des erreurs intéressantes dans le cas de la réflexion multiple, mais de la simple, pas du tout. Et puis après, le microspectro, finalement, il est aussi bon que toutes les autres méthodes. Ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'était sur des échantillons secs. Maintenant, sur des échantillons frais, c'est-à-dire la même problématique qu'Alexandre, on voit que ça se dégrade quand même. Déjà, ça se dégrade au niveau du spectro labo, mais surtout, ça se dégrade sur les méthodes POLIS. Et puis aussi, les mini-spectros, sont quand même moins bons que les sondes immergées. Une chose intéressante qu'on a pu voir, c'était pouvoir accéder directement au pourcentage de matière sèche. C'est-à-dire estimer l'eau, en fait, la teneur en eau. Et en termes de pourcentage d'erreur, on a 8% d'erreur avec un spectro de labo, 18% d'erreur avec la méthode simple, la diffusion simple de POLIS. Et les microspectros, c'est un problème de résolution qui fait que la précision n'est pas aussi bonne que tout. Pour ça, ce sont des essais préliminaires. Hein. C'était juste un stage, c'était pour voir rapidement. Je passe au deuxième, qui est un projet qui a duré pas loin de 10 ans de collaboration sur la sélection de sorgho en utilisant l'infrarouge, la sélection variétale. Donc ça a été en collaboration avec des semenciers et le CIRAD principalement et INRA à l'époque. Et donc ici, nous, le critère de sélection, c'était de pouvoir sélectionner des sorgots qui avaient un bon potentiel méthane, c'est-à-dire qui pouvaient rentrer dans les digesteurs. Et ici, vous avez le modèle de calibration qui a été obtenu. Donc ça, c'est le BMP prédit et ça, c'est le BMP calculé, enfin, mesuré en laboratoire. Avec les échantillons purement sorgho. Donc on a ce qu'on attend, hein, c'est-à-dire quelque chose qui marche, qui fonctionne. Après, dans la réalité, ce qui a été plus compliqué, c'est comme on avait des zones de production à différents endroits et des instituts à différents endroits, on avait une dizaine de spectros différents. Donc il a fallu mettre en place tout un système de transfert de spectre d'un spectro à l'autre. Et donc pour ça, on a utilisé différentes matrices, pas uniquement du sorgho, mais des sorghums entiers, de l'igname, du manioc, des fourrages, de façon à faire tout un modèle de transfert d'un spectre à l'autre. Et donc ici, vous avez deux unités du CIRAD qui vont utiliser soit un spectro de labo, soit un portable ASD, soit un FOSS. Et donc l'appareil de référence, ça va être le Bushy qui est au LBE sur lequel le modèle a été établi. Et donc on va faire, donc déjà
les unités, c'est différent, les gammes sont différentes, etc. Et donc, on va mettre en place tout un système de transfert de spectre, d'un spectro à l'autre. Et donc, on va utiliser le modèle qu'on appelle un outil Chemflow, qui est une application web, et donc qui permet de partager des modèles. Et donc là, vous voyez sous forme graphique le workflow, c'est-à-dire le cheminement du traitement de signal, de façon de passer d'un spectro à un autre. Et donc ça, on va avoir un workflow comme ça pour chaque combinaison. C'est-à-dire ici, on va passer d'un spectro tango vers un spectro fausse avec ce workflow-là. Donc ici, vous avez les spectres transférés et les spectres mesurés sur l'autre spectro, donc vous voyez qu'ils se ressemblent quand même assez. Ici, c'est pour passer d'un ASD à un tango, donc même chose, les spectres transférés, les spectres originaux. Et puis ici, vous avez d'un Bruker vers un Bucci, ça c'est plus facile à faire, parce que c'est à peu près, c'est transformé de Fourier tous les deux. Et donc on obtient quelque chose, hop, là je suis un peu vite, je reviens en arrière. Non, en fait, c'est bon. Et donc, la démarche, c'est, on prend du sorgho, le semencier fait un spectre infrarouge chez lui, il utilise la plateforme, l'application web Chemflow qui est disponible sur Internet, et puis il a sa prédiction en utilisant le modèle établi en laboratoire. Ben donc ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en place, qui fonctionnent pour cette saison-là d'ailleurs. On a tout juste terminé ça avec l'entreprise qui s'appelait Euralis, qui est maintenant l'IDEA, qui a changé de nom, et qui utilise cette technique-là pour pouvoir faire de la sélection de variétés. Voilà. Pour tout ça, on a mis en place aussi un partage des données, donc sur des dépôts publics. C'est bien qu'on peut récupérer tout ça en dehors de Chemflow. Dernier point, les travaux en cours, enfin anciens et en cours sur le sol. Donc sur le sol, l'objectif, c'était de pouvoir mettre en place des méthodes spectrales pour estimer le carbone organique et l'azote total dans les parcelles expérimentales des unités expérimentales de l'INRAE. Donc ça, c'est réparti un peu partout en France. Et c'était surtout comme objectif de construire une communauté d'utilisateurs et aussi de gens qui faisaient les modèles de transfert, etc. Et on a inclus surtout dans ce réseau-là le laboratoire qui fait les mesures de référence. Et ça, ça a été très important, parce que ce laboratoire qui établit les mesures de référence, notamment carbone organique, lui, il est capable de nous dire quelle est l'erreur de mesure de la valeur de référence. Ça, on l'oublie souvent. C'est que l'erreur de la mesure de référence, on ne la connaît pas parfaitement. Et si on ne prend pas en compte cette erreur de mesure, ben on fait vite n'importe quoi. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais dès qu'on s'en est rendu compte, ça allait beaucoup mieux. Donc on a pu mettre des modèles, on met en place des modèles sur le carbone organique et l'azote total, avec pour objectif de quantifier l'hétérogénéité spatiale. Évidemment, on regarde les méthodes de pré-traitement des spectres, notamment en fonction de la texture, c'est-à-dire de la granulométrie des sols. Juste une petite carte pour indiquer les sites d'où sont issus les différents sols. Donc, sur cette carte-là, vous voyez, ça explore à peu près toutes les parties de la France, et on a rajouté aussi des échantillons qui ne sont pas sur cette carte-là, qui sont à Versailles, donc en région parisienne, et à Daniel, en Bretagne. De façon à avoir une gamme vraiment, vraiment variée. Donc là, on est à plus de 1000 échantillons de sol, de spectre, passés sur différents spectros, aussi bien sur terrain que en labo. Et ça, c'est vraiment une bonne base de données pour explorer toute la complexité des sols, et notamment tout ce qui est la texture, c'est-à-dire la granulométrie. Si vous voyez le triangle, ce qu'on appelle le triangle de texture, c'est-à-dire en gros les compositions en sable, en argile
Et en fonction de ça, on peut classer les sols dans différentes catégories. Et justement, les pré-traitements qu'on fait sur les spectres, on a pu constater que ça dépendait justement de la position dans ce triangle. Donc ça, c'est ça qu'on essaie d'automatiser, en fait, d'utiliser des méthodes un peu évoluées de pré-traitement de spectre pour regarder ça. Ce que je veux juste vous montrer, c'est ça, c'est la relation qu'il y a entre le carbone organique et l'azote organique. Donc dans les sols agricoles, on a toujours une bonne relation entre le carbone organique et l'azote organique, puisque l'azote, il est souvent associé à du carbone, forcément, les protéines, c'est lié. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, il y a des sols où c'est fortement décorrélé, c'est-à-dire il y a beaucoup de carbone organique, beaucoup plus que d'azote. Et en fait, ça, c'est typiquement une erreur expérimentale de la mesure de référence. Parce que ce sont des sols calcaires. Dans les sols calcaires, il y a du carbone non organique qui va venir interférer avec la mesure expérimentale de laboratoire. Et donc, au début, tous ces points-là, on les mettait dans les modèles, et ça détruisait les modèles, mais complètement. Et une fois qu'on enlève ces points-là, connaissant l'incertitude, ben les modèles, tout de suite, ils sont nettement mieux pour le carbone organique. Et puis, on a utilisé des méthodes, donc, notamment grâce au laboratoire d'analyse des sols de Arras, des méthodes qui permettent de faire ce qu'on appelle le profil d'exactitude, c'est-à-dire on fait plusieurs concentrations et on regarde à partir de quelle concentration c'est plus détectable. Donc c'est ce qu'on appelle les graphes comme ça, du profil d'incertitude. Donc en fait, ça se lit plutôt de la droite vers la gauche. Et on va descendre comme ça et arriver à un certain seuil, ben, ça rentre plus dans la marge d'incertitude. Et dans ce cas-là, la méthode elle est plus précise. Donc ça nous a permis de définir en fait la gamme d'utilisation des modèles de sol. Alors vous voyez que des fois, il y a des points qui s'écartent, c'est pas de chance. Donc cela, il faut les répéter ou essayer de comprendre pourquoi ils s'écartent comme ça. Voilà, c'est merci de votre attention, c'était ce que je voulais vous montrer rapidement.